Lundi 28 mai 2018, merci de votre fidélité à Gangan TV. Vous êtes les bienvenus dans cet autre numéro de Café Débat. Ici, on donne la parole à ceux qui veulent la prendre pour impacter l'opinion. Et le principal sujet du jour, c'est bien entendu le nouveau gouvernement que les Guinéens ont finalement découvert samedi, qui sera dirigé par le Premier ministre Kassori Fofana. Depuis là, les commentaires fusent de part et d'autre sur la composition du gouvernement, les attentes, les profils des uns et des autres, évidemment. Et pour nous, nous ouvrons le débat autour de ce sujet, en tout cas aujourd'hui, demain et après-demain, puisque ça sera sans doute le sujet de toute la semaine. Mais déjà, je reçois sur ce plateau Dr Dansa Kuruma pour porter le regard de la société civile sur cette équipe, mais aussi sur l'engagement personnel du Premier ministre de lutter farouchement contre la corruption. Étant donné que la société civile, à travers sa personne, avait rencontré le président, qui leur a demandé de dévoiler tous les cas de scandale et de détournement avec des preuves à l'appui, et puis il prendrait des dispositions. Est-ce que la société civile, donc, a plein espoir face à cet engagement de Dr Kassori de lutter contre la corruption? Pour en parler, Dr Dansa Kuruma, président du CNOX sur ce plateau. Dr Dansa, bienvenue dans cette émission. Merci. Merci de la disponibilité. Avant d'abord de parler de la question de corruption, terrain sur lequel Dr Kassori Fofana veut s'engager, parlons d'abord de l'équipe gouvernementale qui a été connue finalement le samedi passé après beaucoup de suspense. Après beaucoup d'attentes, le gouvernement est connu, mais aujourd'hui on a l'impression que l'opinion semble être négativement surprise parce qu'elle s'attendait à un chambardement, à un remaniement total. Quelle est votre réaction face à ce gouvernement? C'est vrai, l'opinion, il y a une déception du côté de l'opinion qui ne s'est pas retrouvée, qui ne s'est pas retrouvée dans ce gouvernement à raison des annonces qui ont été faites par le chef de l'État du 8 mars jusqu'à ce que la liste a été dévoilée. Pour ma part, je ne m'attendais pas à un changement radical. Bien. D'abord, pour des raisons objectives, c'est le gouvernement du dernier mandat. Je l'ai appelé dans une tribune le gouvernement de la dernière chance. Mm-hmm. Alors, je ne m'attends pas à ce que tous les anciens collaborateurs du président soient débarqués au moment tout où on s'achemine à la fin du mandat. Ça, c'est ma première analyse. La deuxième analyse, c'est qu'il a besoin de personnes qui soient capables d'aller au charbon avec lui, des cadres politiquement qui sont acquis à sa cause et qui sont capables d'aller relever des grands défis, d'aller à l'assaut de l'opinion, d'aller à des actions beaucoup plus spectaculaires. Mais quand vous avez des petits technocrates qui sont dans un gouvernement, des gens qui sont à la fois à leur premier poste ou des personnes qui n'ont pas une certaine carrure, c'est difficile pour eux de faire des grands agissements. Je prends un seul exemple. L'action de Thibault à côté du président, c'est un gars qui était sur le terrain. Bien il entendu. Partait toujours à la conquête de l'opinion. Pourquoi? Ouais. Parce que Thibault est habitué à l'opinion. Thibault connaît la Guinée et Thibault a une expérience politique. J'ai l'impression, je ne suis pas en train de lire dans la tête du président, mais ce qui nous a été présenté, c'est comme si c'est ce type de gouvernement que le président a annoncé. Ce qui est totalement en désaccord avec les perceptions de l'opinion. Avec ce que les gens attendaient. Ce que les gens attendaient. Mais qu'à cela nous tienne, je ne m'attends pas non plus à un super Guinéen qui soit capable de me donner un coup d'espoir, moi, dans ça. On a essayé toutes sortes de ministres. On a essayé des nains politiques, on a essayé des dinosaures politiques, on a essayé des technocrates, c'est-à-dire des vierges politiques dans ce pays. Ça a donné les mêmes résultats, c'est-à-dire le peuple encore est sur sa faim, le peuple encore a besoin de tout. Alors, si on va à un gouvernement d'alliance politique, à un gouvernement d'ouverture vers ceux qui critiquaient. Parce que c'est un peu le visage de ce gouvernement, c'est un gouvernement d'ouverture. En voyant quelques opposants qui rentrent dans la danse, comme Abakar Sila, comme Mokhtar Diallo, bien entendu, on peut se dire que c'est déjà un gouvernement d'ouverture. Oui, il y a de l'ouverture. Pas forcément à ces gens-là. Il y a de l'ouverture quand même. Mais c'est des ouvertures qui sont des. C'est-à-dire que c'est des paris politiques importants. Quelqu'un qui n'a pas une grande expérience politique ne peut pas composer un gouvernement de ce genre. Bien. Pourquoi faire venir Abouakar Sylla, ministre d'État, quand on sait tout ce qu'il a dit sur ce régime? Je crois que Abouakar Sylla n'aura de motivation
que de montrer ce qu'il est capable de positivement dans ce gouvernement. Donc, pour prouver qu'il a eu raison. Il a eu raison et que lui, à son niveau, qu'il a changé quelque chose. Et ou bien justifier son choix de quitter l'opposition et d'être associé à la gestion du pays. C'est pour dire que en critiquant trop, il faut cette fois-ci avoir l'opportunité d'avoir les mains dedans pour montrer de quoi est-ce qu'on est capable. Bref, de Mokhtar d'abord de Kassori, qui est le fruit de cette alliance politique ou de cette fusion politique qui ne dit pas son nom, et Kassori Abouakar Sylla, permettez-moi de vous dire, qui sont à la tête de petits partis, qui n'ont même pas eu de députés à l'Assemblée nationale, leur fusion dans l'action gouvernementale peut produire un effet positif aussi. Ça permet de créer l'ouverture qu'on a besoin, et ça permet de les mettre au défi, de prouver ce dont ils sont capables. Bref, la composition du gouvernement, je ne peux pas dire ce qui est dans la tête du président. J'attends le discours de politique générale du Premier ministre, j'attends la lettre de mission du Premier ministre et j'attends les lettres de mission des membres du gouvernement qui sera élaborée par le Premier ministre et les premières actions qui seront proposées les 100 premiers jours. Il y en a qui disent que le gouvernement est constitué de des gens reconduits à 80%, même s'ils ont changé de poste. Donc ça a offusqué certains. Pour certains, ils se sont dit tout ça pour ça, parce qu'ils ne s'attendaient pas à un gouvernement à majorité, à 80% d'anciens ministres. Est-ce que c'est le cas chez vous? Ou bien est-ce que plutôt ça ne vous surprend pas? Parce qu'il faut des gens qui maîtrisent déjà des dossiers pour s'acheminer vers le reste du mandat. Mon avis personnel est que, je parle en tant qu'analyste, je ne m'attendais pas à un gouvernement de chambardement. Tout nouveau. Un gouvernement. Je ne m'attendais pas à un déluge général. Je m'attendais à un remaniement tout en redéfinissant la mission des ministres. Ce qui manque à l'action gouvernementale, au gouvernement précédent d'ailleurs, à tous les gouvernements qu'on a connus, c'est la cohésion, la cohérence, la coordination, la discipline et l'objectivité, disons le pragmatisme dans les actions. Si ces questions sont réglées à travers les directions qui seront données, les signaux qui sont envoyés par le gouvernement et par le président, il doit laisser les mains du Premier ministre libres. Il ne doit pas avoir de conflit entre la présidence proéminente au niveau des attributions de Diané et les attributions du Premier ministre. Si l'équilibre est fait à ce niveau, c'est un gouvernement qui peut faire des actions. Mais en voyant déjà la dénomination justement du ministère de M. Diané, qui était d'abord ministre de la Défense, aujourd'hui qui devient ministre de la Défense, chargé des affaires présidentielles, il y en a qui pensent que c'est une sorte de ministre, de premier ministre parallèle ou sinon de vice-président, on va dire, voilé. Est-ce que c'est une perception? De tout compte fait, la Constitution ne prévoit qu'un poste de premier ministre. Chef du gouvernement. Chef du gouvernement. Il ne peut pas avoir deux chefs de gouvernement. Mais le président de la République est libre de confier une partie de ses prérogatives à n'importe qui au niveau de la présidence, parce que les actions présidentielles, le président a des compétences propres, mais aussi des compétences générales. Les compétences propres du président, c'est important qu'il y ait quelqu'un de confiance qui puisse gérer ça. Mais la position de ministre, le général Lansana Conté est resté ici pendant combien d'années, lui-même ministre de la Défense. Ça veut dire, c'est l'important, si Diané est dans le gouvernement, il est sous la coupe du Premier ministre. Il doit respecter la discipline de l'action gouvernementale. Et si le Premier ministre a des choses à régler avec le président, il y a des choses qui peuvent être réglées avec Diané, mais qui ne demandent pas du tout. Je m'efforce dans la mesure du possible pour éviter de tomber dans le pessimisme permanent, le guinéo-pessimisme. Je fais l'effort de ne pas couler là-dedans parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce pays. Alors, vous êtes aussi, offusqué face à la représentation ou la représentativité des femmes dans ce gouvernement. Vous l'avez même posté sur votre page Facebook, comme quoi c'était un recul en matière de genre. Quatre femmes parmi 34 ministres. Oui, c'est parfaitement ça. Vous savez,
toutes les réflexions en matière de gouvernance trouvent leur source d'inspiration dans les droits humains. Je vais parler des équilibres sociopolitiques et économiques. Je vais parler des rapports avec les minorités. Je vais parler de l'implication des acteurs sociaux, des acteurs politiques. Sur le plan politique, le président a fait des avancées significatives en cooptant des hommes politiques à la tête de certains départements ministériels. C'est une avancée de tout compte fait. Mais ce qui est plus pertinent pour moi, c'est la participation des femmes. La femme, c'est le baromètre de la société. Je ne suis pas d'avis qu'on fasse du féminisme un combat éternel. Non, mais le féminisme responsable a fait que la couche qui représente 60% de la population, ils aient au moins le tiers des postes ministériels, à défaut d'avoir une parité mécanique. J'appelle parité mécanique, parce que 50-50, même si la qualité n'est pas là, non. Mais le tiers était quand même une avancée de la part du président de la République sur le plan social. Les jeunes aussi, qui représentent près de 70% de la population. Dans ce gouvernement, vous ne voyez pas de jeunes? Je ne vois que Gabriel Curtis, qui a moins de 40 ans, je pense, et peut-être Mokhtar Diallo, qui a 45-46 ans. Mais en dehors des deux, je ne vois pas un jeune de moins de 35 ans ou un jeune de 40 ans en dehors de Gabriel Curtis. Ça veut dire 1 sur 34. Alors ça aussi, c'est un recul. Bien. Donc, je ne suis pas en train de focaliser mes réflexions sur des aspects quantitatifs. Je parle des équilibres sociaux. Un gouvernement, c'est l'expression de la volonté du peuple. Parce qu'on a élu un président. Le gouvernement qui doit être nommé par le président doit refléter la volonté de la population. Bien sûr. Alors si ça trahit la volonté, ça ne veut pas dire que il ne peut pas réussir sa mission, mais il va souffrir d'un problème de légitimité. Et la légitimité n'est détenue que par le peuple. C'est pourquoi. Et ce gouvernement court ce risque-là? Oui, bien naturellement. Si le président ne prend pas les taureaux par les cornes pour rectifier ce problème de déséquilibre social, je pense que ça peut affecter le regard de la population. En fait, les femmes vont passer le temps à combattre ce gouvernement parce qu'ils ne se reconnaissent pas dedans, les jeunes aussi autant. Et pourtant, le président a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes. Cet équilibre-là, en plus de ce qu'il fait, je reconnais que les départements importants ont été occupés par des femmes. Dans l'ancien gouvernement? Dans le régime d'Alpha Condé, qui est une avancée. Ministre de l'économie et des finances, c'est très rare, hein? Bien sûr. Si c'est Couturé, il n'y en a pas eu. Si l'enseignant, je ne suis pas, j'ai pas connaissance. Il y a une femme ministre de l'économie et des finances. Il l'a fait. Ministre du plan et de la coopération internationale a une femme. C'est une nouveauté pour Alpha Condé. Ministre des Affaires étrangères, une femme. C'est une nouveauté. Bref. Au port autonome, on s'attendait cette fois-ci à un ministre de la sécurité femme. Peut-être. Ça pouvait aider. Ça aurait été l'autre innovation. Ça allait être une. Et ou bien ministre de la Défense femme. Bref, on ne peut pas tout avoir en même temps. Parce qu'il y a aussi des pressions internes qui sont sur lui. Mais en gros, et je reconnais que la mission non dite de ce gouvernement, c'est une mission de restauration de l'autorité de l'État. Je vois ça en filigrane. Et c'est un gouvernement qui peut réussir aussi la lutte. Et quand on parle de restauration de l'autorité de l'État, justement, en voyant celui qui arrive au ministère de la Sécurité, Alpha Ibrahim Akera, qu'est-ce que vous dites? Et je connais les qualités d'Ibrahim Akera, et c'est un dur. Une dureté qui peut même frimer à l'extrême. Bien. Je sais que c'est un ministre qui a ce qu'on appelle. Qui peut avoir du gel. Du zèle. Je sais que c'est un ministre quand même qui a un certain nombre de compétences, de capacités et d'expérience dans la gestion, dans la conduite de l'État. Bref, c'est des atouts. Mais le défaut, c'est le préjugé, le poids du passé. Bien. C'est aussi sa capacité d'aller à l'extrême. La capacité d'aller à l'extrême peut conduire à une déchéance collective, voire même à un retournement de situation. C'est pourquoi je préfère que M. Kera utilise son expérience à poser des actions dans l'intérêt de la population, des actions qui respectent et qui honorent l'État dans le strict respect des droits humains. Si les actions sont conduites dans ce sens-là, ça peut faire respecter l'État et l'homme peut se réconcilier avec l'opinion. Parce que c'est pas facile d'avoir une opportunité au soir de sa carrière bénéficier d'un ministère aussi stratégique que ministre d'État à la sécurité et à la protection civile. Je crois qu'il a l'opportunité, comme Kassori,
de se réconcilier avec l'opinion en posant des actes responsables. On ne peut pas faire la sécurité sans faire mal. Bien. Mais il faut être équitable dans la conduite de l'action publique. Et dans la restauration de l'autorité de l'État. On ne saurait décrypter tout ce gouvernement dans tous ses aspects. Un gouvernement fleuve, comme certains le disent, des nouveaux qui arrivent, d'anciens qui restent, certains qui ont changé de chaise. Et donc, ce n'est que le début de ce décryptage du gouvernement et des profils. On va terminer avec le deuxième angle, c'est-à-dire votre attente vis-à-vis de l'engagement du Premier ministre de lutter contre la corruption. Entre-temps, je rappelle que dans la deuxième partie de l'émission tout à l'heure, je vais recevoir ici Sekou Jamal Pendessa pour avoir cette fois-ci le regard du journaliste sur ce gouvernement et sa composition. Mais avant, je l'ai dit, Kassori dit qu'il va lutter contre la corruption sans état d'âme. Et vous, vous avez posé même ce problème devant le président de la République lui-même qui a dit « Ok, la société civile, si vous pensez qu'il y a la corruption, qu'il y a les détournements, apportez les preuves, donnez-nous les cas. » Est-ce que ça veut dire que vous avez là un interlocuteur qui est Kassori et qui veut lutter contre la corruption? Vous avez plein espoir? D'abord, même si la réaction du président face à la société civile n'a pas satisfait à l'opinion, moi je pense que c'est une avancée, que le président, un président de la République écoute la société civile et qu'il accepte le discours de la société civile. C'est une avancée quand même, c'est une surprise qui peut faire tache d'huile dans la conduite de l'action publique en Guinée. Donc la deuxième chose, Kassori a déjà eu des discussions avec moi, et sur la base d'un document qu'on a réfléchi, comme notre directive, c'est-à-dire le document a été intitulé « Proposition citoyenne pour un nouveau contrat social ». Alors c'est un document sur 10 points, 10 chapitres, qui explique un peu les actions que la société civile estime être des actions urgentes et pertinentes pour créer la confiance entre l'opinion et le gouvernement. On a un problème de confiance. En Guinée, tout le monde se suspecte. En Guinée, tout le monde suspecte l'autre. En Guinée, le calcul sur la République, c'est-à-dire les calculs, c'est-à-dire les débats sur la République sont relégués au second rang. Les débats de personnes, les querelles de chapelle prennent le dessus. Alors, Kassori a la chance quand même de recréer dans l'opinion une certaine confiance à cause de son élégance politique, à cause de ses capacités à se surpasser. Bref. Et sur ce plan, j'ai de l'espoir que Kassori peut discuter avec la société civile en profondeur. Sur cette question de lutte contre la corruption. Et je sais, Kassori l'a essayé quand il était dans le gouvernement de Conté. Il a quand même engagé des réformes pour réduire le train de vie de l'État. Il a fait des réformes qui ont permis, n'est-ce pas, de discipliner les finances publiques. Bref, il a cette expérience pour le faire. Il a l'audace et l'autorité pour le faire. Mais il doit s'entendre avec le président. Son orientation, c'est-à-dire ses actions doivent s'intégrer dans l'orientation globale tracée par le président. Les deux hommes doivent s'aimer, se compléter dans la conduite de cette action. Bref, lutter contre la corruption, c'est un problème systémique. Un seul Premier ministre, un gouvernement seul ne peut pas le faire. Il y a plusieurs organes, donc le Premier ministre... Mais s'il y a, comme on le dit souvent, une volonté politique que vous attendez, on peut dire que vous l'avez déjà en tant que société civile. Je pense que à travers Kassori. Kassori est une opportunité pour que la société civile puisse jouer pleinement son rôle dans la lutte contre la corruption, parce que il écoute. Bien. Et si l'action est positive, il n'hésitera pas de travailler pour la conduite de cette action. Peut-être quelque chose pour terminer. J'ai demandé à ce que des agences sectorielles soient rattachées à la primature. Parce que la primature, dans sa composition actuelle, ne reflète pas ses attributions constitutionnelles. Bien. Il n'y a que des conseillers. Les services rattachés ne sont pas nombreux. L'Agence nationale de lutte contre la corruption, les corps de contrôle, doivent revenir à la présidence. C'est-à-dire qu'on détache l'agence de lutte contre la corruption de la présidence, on la rattache à la primature. Bien sûr. Pourquoi? Parce que si on a fait appel à un Premier ministre pour aider le président à conduire certaines actions, ça va décongestionner les attributions de la présidence et permettre au Premier ministre d'aller au charbon et d'engager des grandes formes. Le président peut se reposer et continuer les actions dans le sens de l'équilibre social et politique. D'une manière générale, je pense qu'il y a de l'espoir que ce gouvernement travaille sur la corruption. Mais il y a le risque aussi. Des anciens ministres reconduits, il y a un risque et un avantage. Le risque, c'est quoi? C'est de protéger les intérêts établis. L'avantage,
ils ont suffisamment de moyens, c'est-à-dire il y a suffisamment de réserves pour pouvoir engager des combats pour la corruption. Bien. Parce que celui qui n'a rien, il y a un minimum de bien-être qu'on a besoin pour être intègre. Absolument. Si on n'a pas ce minimum-là, on ne peut pas... On s'est toujours tenté... D'aller. Donc, avantages et opportunités et risques. Le risque, c'est quoi? C'est la protection des intérêts, le protectionnisme des intérêts établis. L'avantage, c'est des gens qui connaissent les rouages, qui ont l'expérience et qui ont le minimum qu'il faut pour pouvoir s'en passer de nos maigres ressources. Bien. Mais ils sont beaucoup mêlés aussi dans certains contrats. Quand vous prenez le contrat de la SMB, et il y a beaucoup qui sont dans ce gouvernement qui sont concernés par ce contrat. Est-ce qu'ils vont accepter de faire... D'abandonner leur intérêt pour assainir ce contrat et faire de telle sorte que l'impact social et environnemental soit amorti par des actions transparentes, par des actions rigoureuses, de nature à mettre les sociétés minières devant leurs responsabilités et à bien redistribuer, d'abord à optimiser les ressources et à bien les redistribuer dans l'intérêt de la population, surtout des populations riveraines. Bien, on verra donc dans les jours à venir comment est-ce que justement le Premier ministre qui a donc affiché cette volonté de lutter farouchement contre la corruption, qui est une véritable gangrène de notre économie et notre développement, comment est-ce qu'il va travailler étroitement avec la société civile, mais bien sûr avec les autres entités sociales qui sont toutes frappées par ce phénomène. Merci, docteur, d'être passé dans cette émission. C'est un plaisir. À très bientôt. Merci. Merci. Seulement, je n'ai pas pris de café. Ah, c'est le mois de Ramadan. Qu'est-ce que tu te fais dire? Comme annoncé tout à l'heure dans la deuxième partie, je reçois Sekou Jamal Pendessa. Juste après la pause, on se retrouve. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement le feuille soigneusement sélectionné en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Je l'ai dit tout à l'heure, Sekou Jamal Pendessa, rédacteur en chef du groupe Gaga, le regard du journaliste sur cette nouvelle équipe gouvernementale. Sekou Jamal Pendessa, bienvenue. Merci. Alors, on aurait dit que tout ça pour ça, en quelque sorte, comme si on a perdu du temps pour avoir cette pour équipe. Rien. Au regard de la manière dont l'opinion réagit à la mise en place de ce gouvernement, quel est le regard que vous portez sur la nomination de cette nouvelle équipe? J'ai déjà eu à réagir sur les réseaux sociaux, mais puisque je ne suis pas ami avec tout le monde sur Facebook, donc il faut le dire clairement ici, à première vue déjà, on s'est dit, comme vous l'avez dit, avec tout ce temps, alors que c'est des gens qui étaient déjà là, qui ont consulté alors, vous comprenez? Et puis, ce n'est pas interdit qu'on reconduise beaucoup de ministres de l'ancienne équipe, vous comprenez? On peut même reconduire le gouvernement dans son ensemble, mais sauf qu'il faut qu'on comprenne pourquoi toutes ces réactions. C'est qu'on s'est référé à la déclaration du chef de l'État du 8 mars, là où il a annoncé un remaniement, un grand remaniement, c'est comme ça il avait dit. Et il va renvoyer des ministres, envoyer d'autres qui sont proches du peuple. Du peuple, ouais. Un gouvernement proche du peuple. Un gouvernement ou des ministres proche du peuple, comme il l'a dit. Donc, quand il le dit, on sous-entend que ceux-là qui étaient là n'étaient pas proches du peuple. Alors, les gens s'attendaient à de nouvelles têtes, vous comprenez. Donc, la première déception a été celle de voir qu'on reconduise plus de la moitié de l'ancienne équipe. Vous comprenez, je crois que c'est 17 ministres. Ouais. C'était la première déception. La première déception. Deuxième déception, ça c'est plutôt chez les féministes qui voient que il n'y a pas beaucoup de ministres femmes. Il n'y a que 4, si j'ai bonne mémoire. Alors là aussi, qu'est-ce qui a encore remonté les tensions? C'est que le chef de l'État a dit qu'il dédie son mandat aux femmes. Mais moi j'ai ajouté
quand je l'ai écouté à plusieurs reprises, il a toujours dit, je fais confiance aux femmes, puisque les femmes sont honnêtes, elles gèrent bien, elles ne détournent pas, contrairement aux hommes. Alors, si toi tu as dit tout ça et puis tu viens mettre en place un gouvernement là où il n'y a pas de femmes, cela veut dire, logiquement parlant, tu n'aimes pas travailler avec ceux-là qui sont honnêtes. Ou là où il n'y a que 4 femmes, on ne dirait pas là où il n'y a pas de femmes, mais là où il n'y a que 4 femmes parmi 34 ministres. 4 sur 34, je pense que c'est insignifiant. J'ai dit donc que toutes les personnes qui sont honnêtes, il les a mises de côté pour, excuse-moi du terme, je suis dans sa logique, je ne suis pas en train de dire ceux-là qui sont là, ils ne sont pas honnêtes. Mais quand on prend sa logique, pour lui, c'est des femmes qui sont honnêtes, les hommes ne sont pas honnêtes. Alors il a pris ceux-là qui ne sont pas honnêtes pour travailler avec ces gens-là. Quel sera le résultat? Vous comprenez? Donc je pense que de façon globale, c'est une déception. Bien. Et si vous voulez, maintenant, on va aller... L'autre question, évidemment, une déception globale, mais l'autre question, est-ce que ça veut aussi dire que le Premier ministre n'a pas eu la main libre dans la composition du gouvernement? Certains disent justement que le Premier ministre Kassori a fait une liste, il a déniché les compétences, comme il l'avait dit, les compétences, mais aussi les compétences jeunes surtout, mais cette liste aurait été rejetée par Alpha Condé. Au vu de cette équipe, est-ce qu'on peut dire que Kassori n'a pas du tout eu la main à la patte? Là aussi, j'ai eu à le dire sans hésitation sur Facebook pour dire que, d'abord, j'ai précisé qu'aucun membre de Kassori, qu'aucune proposition de Kassori n'a été prise en compte. Puisque la première, au regard de cette composition du gouvernement, ma première publication, je me suis limité à donner l'information, faire un petit commentaire. Mais quand j'ai fait des enquêtes, je savais déjà, quand vous regardez la physionomie du gouvernement, vous donnez une idée, mais il fallait aller en profondeur. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, Kassori avait constitué des gens, une liste, il avait vraiment amené des nouveaux visages, mais du coup, le chef de l'État a rejeté. Bien. C'est le premier signe. Vous savez, ce n'était pas sur Café Débat, mais à la radio, je vous avais dit, Kassori a des atouts. Il a une forte personnalité. Il a lui-même négocié son sort, c'est-à-dire sa primature. Ce n'est pas comme les autres, on vient tout leur donner. C'était des objets confiés. Lui, il a été acteur majeur de sa nomination. Bien. Donc, j'ai dit, c'est un avantage. Il aura... Dans ses rapports entre lui et les membres du gouvernement, ils sauront que ce n'est pas quelqu'un d'inférieur, vous comprenez, presque ils discutent d'égal à égal avec le chef de l'État. Donc si je déconne est associé à cela. Donc il n'y avait pas de problème à ce niveau. Mais je vous disais que j'avais de sérieux doutes quant aux relations entre Kassori et Alpha Condé, les rapports là. Quant à ces marges de manœuvre. Voilà, j'aime jouer avec le mot. J'ai dit quelle serait la cohabitation entre les deux palais voisins, c'est-à-dire Cerro Touré et Moréa. Vous comprenez? Et du coup, dès après le décret, j'ai compris que les relations seront vraiment compliquées pour Kassori. Alpha Condé a fait une sorte de ramener le gars, de recadrer. Tu as fait trop de bruit autour de ta nomination. On t'a annoncé comme le tout-puissant Premier ministre. Attention, je reste le seul maître du jeu. Il a fait une sorte de recadrage, comme quand on disait en Soussou, il a vu Kimagoro. Bien. Tu as vu. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, si Kassori était intelligent, je pense que c'était le bon moment de rendre le tablier, puisque à cette allure-là, il ne pourra absolument rien faire. Mais s'il peut imposer son autorité sur cette équipe, fut-elle une équipe proposée entièrement par Alpha Condé, composée à 80% par des gens reconduits, mais s'il peut imposer son autorité, fixer des objectifs à atteindre à chaque ministre, qui sont obligés de les atteindre au risque d'être évalués, et s'ils sont mal évalués, qu'on les chasse de l'équipe, pourquoi ne pas rester? Il ne va pas forcément démissionner tout de suite, comme ça a été le cas par exemple en Italie. Hier, ce n'est pas forcément la démission qui résout le problème à mes yeux. Maintenant, l'autre aspect aussi, c'est l'appellation que les uns et les autres ont face à ce gouvernement. Certains pensent qu'au-delà de ce qu'on peut dire, gouvernement proche du peuple qui ne l'est pas, mais ça peut être un gouvernement d'ouverture, puisqu'on voit des opposants qui rentrent dans la danse. Mouktar Diallo, de NFD, Aboubakar Sylla, de l'UFC, qui finalement ont des postes qui seraient dans ce gouvernement. Bon, ce n'était pas de surprise. Hein. Mouktar Diallo, on l'a vu avec le chef de l'État en Guinée forestière. Il était même dans l'avion du chef de l'État.
Abakar Silla aussi, on savait. Après ces changements, ces prises de distance vis-à-vis de l'opposition, beaucoup avaient commencé à douter, mais il y a eu des informations selon lesquelles il était même pressenti pour être Premier ministre. Beaucoup misaient sur lui. Donc, la question qui se posait, quel ministère ces deux-là devaient occuper, mais on savait qu'il devait rentrer. Vous comprenez? Donc, lui, Abakar Silla, on le voyait même au ministère de la Communication, même s'il y a eu changement. Finalement, mais c'est là où on le voyait. Donc, est-ce un gouvernement d'ouverture? Moi, je pense que c'est des gens qui n'incarnaient plus la vraie opposition. Donc, puisque à Guinée, il est très difficile maintenant d'aborder cette question d'opposition. Chacun se réclame de l'opposition. Ils vont te dire non, il y a l'opposition plurielle, il y a l'opposition ceci. Mais ce qui reste clair, c'est des gens, dans leur démarche, on ne les voyait plus comme opposants. Vous comprenez, c'est pourquoi moi je n'aimerais pas employer le terme de gouvernement d'ouverture. En tout cas, ouvert à qui? En tout cas, pas à l'opposition. La vraie opposition est là, vous avez vu. Il y a même une certaine opposition qu'on croyait très proche de la mouvance qui commence à prendre ses distances, c'est l'UFR. Vous comprenez, nous, quelques... Qui n'est pas présente en tout cas dans ce gouvernement. Hein? Qui n'est pas, oui, et au lendemain de la démission du gouvernement, quand on leur a demandé les responsables de l'UFR, ils ont dit... S'ils allaient participer au prochain gouvernement, ils ont dit la décision n'a pas été prise, ils vont se concerter pour Tchabi. Sinon, la question ne devait pas se poser. Vous étiez membre du gouvernement, vous vous attendez à être reconduit. Vous comprenez? Mais si vous dites que non, on va se retrouver pour voir est-ce que l'UFR ira au prochain gouvernement ou non. Donc, on avait commencé à comprendre déjà. Donc, cela veut dire que tous ceux qui sont là sont supposés être du RPG Arc-en-Ciel, comme ce fut le cas pour le Premier ministre, puisque c'était une condition. Bien. Ou bien si vous ne l'êtes pas officiellement, mais très proche du parti au pouvoir. Bref, est-ce qu'on peut dire que c'est déjà le premier obstacle face à Kassori, devant Kassori Fofana, Premier ministre? C'est un sérieux obstacle. C'est que les gens n'ont pas compris Alpha. Je vous avais dit qu'Alpha n'aime pas se faire éclipser. Pas possible. Il veut être vu, omniprésent, c'est lui qui est un peu partout, c'est lui qui est vu. Donc toi, tu viens que les gens se parlent de toi. Les deux semaines de campagne médiatique occupée par Kassori, là, ça fait mal à Alpha Condé. Dans un premier temps, les informations qu'on avait eues, que Alpha Condé était en train de négocier, que oui, cette fois-ci, il y aura changement, puisque Kassori même est en train de discuter de certains postes qu'il faut mettre là. Vous avez vu, c'était bien parti. Et puis il y a eu emballement médiatique sur Kassori, tous les projecteurs des médias étaient sur lui, et ça n'a pas plu à Alpha Condé. Bien. Et dit, non, oui, Kimagoromane, à bon intérêt. Donc, du coup, il a essayé de recadrer le gars automatiquement, et c'est ce qui va continuer. Il ne va jamais accepter que Kassori le surplombe, alors que au jeu du public, quand on présente les deux personnalités aujourd'hui, je ne dirais pas que Kassori va le dépasser, mais. Alpha, les gens sont fatigués de le voir, ils ont de mauvais souvenirs avec toutes ces crises qu'on a connues. Donc, c'est naturel hein, chez le peuple. Le peuple a toujours envie de voir de nouvelles têtes. Lorsqu'il y a une crise, à la suite de cette crise, on veut toujours voir de nouvelles têtes. Donc, quand vous présentez les deux aujourd'hui, c'est Kassori qui attire l'attention des gens. Et c'est ce qu'Alpha ne veut pas. En tout cas, on pourrait donc dire que les deux hommes qu'on a présentés ces derniers temps comme des véritables complices commencent déjà à se marcher dessus. Voyons voir donc comment l'équipe va commencer à travailler dans les jours à venir pour ajouter, pour terminer. Oui, quelques départs, je ne sais pas si on pouvait donner des raisons, ce qui pourrait. Oui, certains sont partis, comme Damantan Albert Camara, Kaoukari, on savait déjà. Ministre des Finances, budget. C'est-à-dire leur maintien allait surprendre, mais tout le monde savait que les deux là allaient partir après la crise de l'éducation. Caractérisé par la grève des enseignants déclenchée par le SLEG qui avait d'ailleurs demandé le départ de Damantan notamment quelques jours avant la nomination du gouvernement, vous comprenez. Donc leur sort était presque connu. On va dire que le départ de Damantan est pour satisfaire
Exactement. Les syndicalistes. Les syndicalistes, par endroit. Ça fait partie. Et on sait qu'il est rejeté par l'opinion aujourd'hui. Damantan, qui était le bien-aimé du public à un moment, aujourd'hui il est rejeté par le public vu tous ses comportements. Donc il fallait le laisser partir pour ne pas qu'il salisse l'ensemble de l'équipe. Et Kao Carré aussi, la même chose. Mais pour Kao Carré, en plus de la crise, s'imposent aussi ces différentes gaffes. Son passage à l'Assemblée nationale, son français toujours massacré. Il fallait l'éloigner du secteur. Jusqu'à la dernière minute, il fallait vraiment éloigner. Je pense qu'il a donné, il a donné le coup d'accélérateur à la dernière minute. À 72 heures de la nomination du gouvernement, il a dit ton caméra. Et je pense que le ministre ne pouvait pas se demander. Maintenant, quand vous prenez Kabele Camara, les gens pensaient que c'est des gens qui ne pouvaient pas être touchés. Ils sont indéboulonnables. Oui, lui, c'est ce qui a joué dans son départ, c'est l'affaire Colonel Barry. Vous comprenez, lors de son passage de chez nos confrères d'espace, c'est tout ce qu'il a eu à dire sur Kabele. Donc vous voyez cette jalousie. D'ailleurs, Sousa avait réagi directement. Le ministre de la Défense Diané qui a fait un écrit. C'est à cause de lui que Colonel Barry a été sanctionné. Donc Alpha dit attention, il faut que tu comprennes, Diané est intouchable. Donc il y a cette jalousie, à crise de confiance qui commence à s'installer dans les rangs entre ces deux ministères qui sont tellement proches. Vous comprenez, donc il fallait laisser un partir. Et puisque Diané il est intouchable, vous comprenez, il fallait le maintenir et laisser Kabele partir. Sinon, ce n'est pas par incompétence qu'on l'a laissé partir. Bien, vous comprenez. Et puis, il y a Oye, l'un de boulons de l'autre. Oye Guilabogui aussi, ses multiples promesses non réalisées, vous comprenez. Lui aussi, il a laissé un mauvais souvenir aux yeux du public jusqu'à la dernière minute. Vous avez vu, lors de son passage à l'Assemblée nationale, il fait une promesse lui-même. Il se rend compte que ce n'est pas vrai, puisqu'il a même souri. Il parlait de passage de 5 bus par chaque 5 minutes, ce n'est pas possible. Il n'a pas vu tous ces embouteillages en Guinée. Qui peut dire que oui, je vais mettre 50 bus en place, désormais les citoyens n'auront plus le problème de transport, à chaque 5 minutes il y a un bus qui va passer. Donc Alpha Condé s'est dit attention, je suis taxé de monsieur fausse promesse, et il y a un autre monsieur fausse promesse, ça ne peut pas aller, il faut se débarrasser d'un. Mais sauf que Oye Guilabogui, on a voulu le contenter avec le ministère de l'élevage. Il paraît qu'il a rejeté, il a refusé ce ministère-là. Il s'est vu rétrograder quand même. En quittant les transports, pour aller vers le ministère pour de l'élevage. Pour aller vers le ministère de l'élevage, qu'on va me renvoyer dans la bourse là-bas, etc. Il s'est dit ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'il a pensé. Il a rejeté l'offre, vous comprenez. Donc, pour ce qui concerne Marc Yombouno, le départ de Marc Yombouno s'explique en grande partie dans son conflit, le conflit qu'il a opposé à Tchegoro Camara. Vous n'êtes pas sans savoir que ces deux ministres ont réussi à exposer sur la place publique le différent qui les opposait. Et là, Alpha Condé n'a pas caché sa préférence. Vous avez vu, à l'occasion de sa rencontre avec le collectif des jeunes d'AP, il est parti jusqu'à citer Tchegoro en termes de référence. Vous comprenez? Il dit que c'est des gens qui ont déjà fait leur preuve. Il a même voulu l'impliquer désormais dans la lutte contre la corruption, etc. etc. Donc là, moi j'avais compris que chose n'avait aucune chance, Marc Yombouno. Vous comprenez? Donc voici quelques raisons qui pourraient expliquer le départ de certains ministres. Et puis les autres, on reviendra là-dessus, pourquoi pas à d'autres occasions, demain ou après-demain, puisque comme on l'a dit, c'est un gouvernement fleuve et donc on ne saurait décrypter tous les aspects de ce gouvernement. Merci Penessa d'être passé à demain. Merci. À vous, merci de votre attention et puis on se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. Prenez bien soin de vous et au revoir.